Salut tout le monde, je suis le professeur Pérez. Ok Charlie, au travail. Voyons, trouvons la superficie et le périmètre de cette figure. D'abord, trouvons le périmètre. Souvenez-vous que le périmètre est la somme de tous les côtés. Additionnons alors les côtés. On peut aller dans n'importe quel sens, moi je vais par ici. 16 cm plus 12 cm plus 11 cm plus 13 cm, et quand on les additionne tous, qu'obtient-on, Charlie? 52 cm. Très bien, Charlie, et ne pas oublier d'encadrer votre réponse. Maintenant, trouvons la superficie de ce trapèze. La formule pour trouver la superficie d'un trapèze est la superficie est égale à 1/2 fois la hauteur multipliée par la somme des bases. Voyons donc que la hauteur est indiquée ici, 12 cm. Remplaçons donc la hauteur dans l'équation, 12 cm, et nous appellerons la base 1, 16 cm, et la seconde base, 11 cm. Voyons notre travail. 16 cm plus 11 cm, ça fait combien, Charlie? 27 cm. Très très bien. Et maintenant, la moitié de 12, ça fait 6. Et que nous donne 6 fois 27, Charlie? 162. Parfait cela, Charlie. Une question, Charlie. Quelles sont les unités pour la surface dans ce problème? Des centimètres au carré. C'est exact. Souvenez-vous alors de toujours écrire les unités et d'encadrer votre réponse. Allez, à bientôt!